Je présente Moara que j'ai créé en 2001. Ça fait la 15e année voilà, que je suis installé. Et il y a eu beaucoup d'heures de travail. C'est quand je vois le résultat, je suis heureux. Quoi. C'est l'heure d'une vie, voilà. C'est mon truc, c'est mon truc à moi. C'est comme on a tout fait de A à Z. Et quand on arrive sans rien, c'est. Voilà. On n'y croit pas, mais j'ai toujours cru, quoi. On m'a traité de fou. Entre Graves et Saint-Émilion, dans la banlieue de Libourne, près de Bordeaux. Drôle d'endroit pour une drôle de rencontre. Il faut dire qu'Alain Chopard, c'est un drôle de bonhomme. Nous allons vous raconter l'histoire de ce fils de paysan vosgien, devenu l'un des plus importants éleveurs propriétaires de chevaux de plat en France. Si l'homme avale les mots, il avale la vie aussi. Ce garçon est un vrai bulldozer, au propre comme au figuré d'ailleurs. Il a créé de ses propres mains une gigantesque exploitation de 250 chevaux, bousculant au passage les techniques d'élevage. Et ce n'est pas fini, il a aujourd'hui un projet qui fait couler beaucoup d'encre. Mais s'il y a 15 ans, on l'a pris pour un fou, eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La première fois que je suis arrivé au Hara, Alain m'a parlé, j'ai rien compris. J'ai rien compris, j'ai dû le faire répéter 3 fois. J'avais l'impression que j'ai rencontré un extraterrestre parce qu'il était différent. Ce que disent les professionnels du Sud-Ouest concernant Alain Chopard, c'est qu'il est fou, il va trop vite. Ils disent qu'Alain Chopard, c'est ce qu'on n'a jamais vu dans notre région. Il est parti avec sa paire de tongs et son short. Il a monté, je vais peut-être pas dire un empire, mais enfin, il a monté un truc énorme. Et beaucoup de respect pour lui, parce qu'il est parti vraiment avec rien. Personnellement, on l'admire, nous, en tant qu'employés, de voir d'où il est parti et d'où il est maintenant, et de voir qu'il est toujours égal à lui-même. C'est un garçon que tout ce qu'il a tenté, il a réussi. Alors Alain, la journée commence ? Comme d'habitude, tous les matins, le bureau et les statistiques France Gallo, pour voir où c'est qu'on en est. Si on n'a pas perdu de place par rapport à hier. En fait de stats, ce sont les classements nationaux qu'Alain va consulter. Et ça, il le fait tous les matins. Dire qu'il y a 15 ans, quand il s'est installé, il ne connaissait même pas l'existence de France Gallo. Imaginez. Eh bien aujourd'hui, il ne peut plus se passer de ce site internet. Là, on est au 24 mars. En plat, ben, premier éleveur en plat pour l'instant. Ça ne va peut-être pas durer très longtemps, mais pour l'instant, ce qui est pris n'est plus à prendre. Avec 50 000 € de prime éleveur. 36e éleveur en obstacle. 17e éleveur en propriétaire plat. Et 41e propriétaire obstacle. C'est-à-dire partout dans le top 50. Quoi. Mais c'est surtout le classement plat et, voilà, qui m'intéresse le plus. Ça fait 5 ans qu'on est dans le top 10 en tant qu'éleveur, mais je voudrais être dans le top 5 en plat. Et puis un jour, pourquoi pas être dans les premiers, mais il y a les grandes maisons. J'essaie de copier sur eux, mais c'est dur. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais avec le temps, bon, il n'y a pas longtemps que je suis installé. J'espère faire mieux, de mieux en mieux. Quoi. Ouais. Il faut toujours progresser, de toute façon, on n'a pas le choix. Disons qu'en une dizaine d'années, il est parti de pas grand-chose à maintenant quelqu'un de reconnu. Mais je ne m'attendais pas à arriver aussi vite, aussi bien. Quoi. Voilà. Aujourd'hui, Alain est à la tête d'une entreprise florissante, générant près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ses paddocks occupent plusieurs dizaines d'hectares.
Une quinzaine de salariés le secondent. Le haras des faunes est un très bel outil. Et on a du mal à imaginer qu'il y a 15 ans, c'était... Comment dire ? C'était vraiment une décharge de tout ce qu'on ne veut pas ailleurs qui était mis dans cette propriété-là. Il y avait des cornadis partout, des tas de fumier, des pneus, mais il y avait, je sais pas, 300 pneus, je sais pas d'où ça sortait, mais c'était là, quoi. Plus découragé, ça n'a pas été le cas, quoi. On a commencé d'un bout, je ne savais pas où commencer au départ. Il y avait tellement de choses à faire que... Et il y avait surtout beaucoup de travail, et en plus, je n'avais pas beaucoup de moyens, je n'avais rien. Il a fallu emprunter, j'ai loué au départ, je n'ai pas pu acheter parce que les banquiers ne voulaient pas suivre. Et bien, puisqu'Alain n'avait pas de moyens, il a donc utilisé son huile de coude, secondée par les copains. Défricher la propriété, raser les ruines pour ensuite construire près de 5000 mètres carrés de bâtiments. Et voilà ce qu'a été son quotidien pendant des années. Il fallait être fou, il fallait être Alain Chopard pour se lancer dans cette opération. Personnellement, je ne l'aurais pas tenté parce que je n'aurais pas eu le courage d'entreprendre ce que lui, il a entrepris. Le haras des faunes est à l'image de ce qu'Alain avait rêvé, pensé, et ce, dans les moindres détails. Vous allez découvrir qu'Alain ne s'est pas contenté de construire un superbe outil de travail. Il savait, depuis le début, comment il allait l'utiliser. Tout d'abord, il va créer sa lignée, les Chopes. Lolly Chop, Captain Chop, et surtout Gallo Chop, vainqueur il y a peu d'un groupe 2 à Deauville. Troisième position, Prince Gibraltar. Gaylo Chop qui va s'imposer, Julien Auger, Paul Guillaume d'Ornano. La deuxième place pour Philippe Ortlux, la troisième pour Prince Gibraltar, la quatrième pour le numéro 7, Western Hymn. Et c'est Gaylo Chop qui remporte donc ce prix, Guillaume d'Ornano. Et en plus, on est fiers parce que c'est un produit maison. C'est des Portivo, un étalon que j'avais acheté en Angleterre. C'est, la mère était là, voilà, la sœur, je l'ai fait gagner sous mes couleurs, lui, la cour sous mes couleurs. C'est le résultat de l'élevage, quoi, en fin de compte. Oui. Et le démarrage de l'élevage d'Alain Chopard doit beaucoup au propriétaire de cette jument. Non, attends. Voilà. Laurent ? Oui, elle est chaude, là. Voilà. La jument réagit bien au souffleur. Alain va donc pouvoir prévenir son propriétaire qui fera le déplacement jusqu'au haras pour assister à la saillie. Le propriétaire de la jument, c'est lui, Jean-Max Jarlan. Un homme important dans l'ascension d'Alain. Les deux hommes se sont connus il y a 15 ans. Et depuis, leurs destins sont liés. Ici, j'ai entre 35 et 60 chevaux, voilà. Et l'essentiel de mon effectif est chez Alain et chez les entraîneurs. Jean-Max, ça s'est toujours bien passé, quoi. Au départ, c'était un propriétaire, et maintenant, c'est comme mon deuxième père, quoi. C'est complètement différent, quoi. Effectivement, il est le fils que j'aurais aimé avoir, voilà. Parce que c'est quelqu'un de performant et que j'ai fini par l'aimer comme mon fils. Certes, le propos est fort, mais il est à la mesure de l'importance de Jean-Max. C'est lui qui va permettre à Alain d'acquérir son premier étalon de valeur, Indian Rocket. Le vrai démarrage, c'était Indian Rocket, oui. Ça allait déjà bien avant, mais pas comme c'était le coup de pouce en plus, quoi. Oui. J'ai acheté cet étalon à Newmarket et... Quand je l'ai eu acheté, j'ai téléphoné à Alain et je lui ai dit « Voilà, j'ai acheté cet étalon, je te propose une chose, je le mets chez toi et on s'associe. » Alors il m'a dit « Oui, mais comment veux-tu que j'achète un étalon maintenant? Je suis en train de me lancer. » J'ai dit « Écoute, on ne parle pas d'argent, ce n'est pas un problème. Hein, on s'associe et l'argent verra plus tard. » C'est la même année, j'ai acheté une enquête, j'ai acheté ici. Et j'avais pas la maison encore, non, c'est après la maison encore. Et c'est lui qui m'a permis d'acheter la maison, voilà, parce que ça a tellement bien marché que... Il a continué pendant des années chez Alain,
à nous amener plein de gagnants et de bons chevaux de course qui réguliers, précoces. Et puis ça t'avérait également être un très bon père de mère. Salut ma chérie. L'expérience Indian Rocket s'est avérée et concluante. Elle signe donc le début de l'association entre Alain et Jean-Max. Ensemble, ils vont acheter d'autres étalons. Ils partagent la même vision des choses. Ce que nous recherchons en priorité, c'est des étalons qui sont capables de faire de la vitesse et de la précocité. Des chevaux de course qui eux-mêmes ont été vite et précoces. Ce qu'on cherche au départ, c'est avoir des chevaux qui sont capables d'aller sur les champs de course et de gagner leur vie. Voilà. Après, si ça, ce sont de bons ou de très bons chevaux, bravo. C'est heureusement, nous y arrivons. Là, ma fille. Hop. Voilà. Les dés sont jetés. On vient de concevoir un futur champion. Fabriquer des chevaux précoces et rapides, la méthode d'Alain et de Jean-Max est une réussite. La preuve avec Captain Shop, qui enlève ici la première course de 2 ans en France. United Sport à l'inverse sur la ligne de tête, galope le 7 Moranda en vert à couture noire avec le 4 Villerville, Kazakh Blanche, Toc Violette. Côté corde, le 8 Fongares est là, devant le 2 Captain Shop, Kazakh Mauve côté corde, un peu plus loin le 3. Et là, le poulet est caché. Il va pas tarder à déboîter. 500 mètres du but à peine, avec le 7 Moranda attaqué à la corde par le 2 Captain Shop qui semble venir librement. Et là, il déboîte et c'est des rêves, quoi. Quand on débute comme ça l'année, ça met encore les larmes aux yeux alors que ça fait 5 ans. Et victoire un peu plus facile pour Captain Shop, Flavien Pratt, l'entraînement de Didier Guillemin et la Kazakh et l'élevage d'Alain Chopard. Véritable balade de santé. Il y avait Captain Shop et les autres. Et le deuxième, c'était encore un fils d'Indian Rocket à Maxime Jarlan. Voilà. C'est-à-dire 2 Indian Rocket aux 2 premières places. Il y a une raison économique au départ à tout ça. Mais je trouve qu'il y a moins de déchets dans les vites et précoces que dans les chevaux classiques. Quoi. Nous, il y a 95% des chevaux qui courent. Quoi. 98, je crois, oui. On n'a pas de déchets pratiquement. Ils vont tous aux courses, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas tous bons. Hein. L'organisation de son hara est faite pour optimiser donc, la main-d'œuvre, le temps passé. La conception qu'il a est tout à fait nouvelle. C'est une conception, je vais dire le mot, ça ne va peut-être pas lui plaire, parce qu'il entendra l'interview, mais ça ne fait rien. C'est une conception complètement industrielle. C'est une démarche moderne, qui est un peu atypique dans le domaine des courses et du pur sang. Cette matinée, on va curer toutes les écuries avec cette machine où je suis là et un autre tracteur avec mon collègue. Et on va curer à peu près 80 box, tout mécaniquement. Voilà. Pourquoi vous sortez les chevaux là ? Mais parce qu'on va vider et donc il faut sortir tous les chevaux pour qu'ils curent toute la rangée entièrement. Voilà. Ils curent comment ? Ils curent avec un tracteur, ils ouvrent tous les bas-flancs en longueur, comme ça, et après ils prennent le gros tracteur et ils vident. Des boxes aux parois amovibles. Alain a senti dès le début que cette innovation allait lui faire gagner du temps, donc forcément de l'argent. Alors, comme je n'avais pas de gros moyens, mais j'ai tout fait moi-même, on a acheté de la ferraille en 6 mètres, des planches en 6 mètres, on a coupé, soudé, sur des charnières comme une porte, et on ouvre ça comme une porte. On cure 10 box d'un coup, là. Au lieu de faire box par box, on ouvre et on cure tout en même temps. Avec le nombre de personnes qu'on a actuellement aujourd'hui, sur le hara, on doit gagner ouais, facile une bonne heure. Ouais. Ouais. En sachant qu'on ne cure pas que 10 box, on en a 70 à curer. Après, j'aime autant que mon personnel soit plus à manipuler les chevaux, les foals, les yearlines, plus de temps de soins que de vider des boxes à la brouette. Quoi. C'est plus, on est en 2015, on n'est plus dans les années 50, quoi, où la main-d'œuvre n'était pas chère. On gagne toujours du temps sur des détails.
perdre un quart d'heure pour un box, c'est beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Il y a 100 box là. Comme moi j'ai construit, j'ai prévu pour tout faire au tracteur, quoi. Par box, il va mettre une ou deux minutes pour vider un box, quoi. Lorsque vous allez faire un tour en Normandie, alors il y a le décorum, bon, les haras avec le colombage, la maison colombage, tout ça, c'est très joli. Mais c'est souvent des vieux box, c'est pas du tout ergonomique. C'est bon pour une trentaine de chevaux, mais pas pour 250 chevaux comme chez Alain, quoi. Donc ce qu'il a fait, c'est plutôt méthode américaine. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Simon et Benjamin, les garçons d'écurie, curent ainsi les box tous les 15 jours, et cela ne prend qu'une matinée. Alain a acheté un épandeur pour transformer la paille recueillie en fumier, qu'il utilisera ensuite sur ses prés. Mais j'ai copié beaucoup sur le bovin. Je suis né là-dedans. Dans le bovin, ils ont 20-30 ans d'avance sur nous, quoi. Et ça donne ça, une stabulation bovine remplie de poulinières. Elles passent l'hiver ici et non au pré. Et puis ce système ouvert permet de préserver leur instinct grégaire. Les juments se voient. L'endroit est lumineux, les enclos suffisamment vastes pour autoriser les déplacements. Alain n'y voit que des avantages. On gagne du temps par rapport au terme, c'est-à-dire qu'avant, les juments passaient souvent le terme de 10-15 jours, et là, on a beaucoup de juments, quand elles sont dans le bâtiment, qui poulinent 4-5 jours avant. Et on gagne entre, on a fait le point à peu près, entre 12 et 15 jours, en moyenne, par cheval, quoi, par jument, quoi, sur la date de poulinage. Voilà. Toujours un peu la course au temps, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis le bien-être des juments, parce que pas de gale debout, pas d'abcès de pied, ça sera à refaire, je ferai tout dans ce système-là. Mylène est la plus ancienne employée d'Alain. Elle adhère totalement à ce système de stabulation car il lui permet de consacrer plus de temps aux animaux. Et elle adore ça. Vous manipulez souvent les poulains ? Oui, tous les jours. Alain nous l'a demandé et c'est très important de les manipuler pour les mettre en confiance et les amadouer et les rendre sociables envers l'homme et qu'ils n'aient jamais peur, jamais d'appréhension. Pour leur future carrière de course, c'est important, je pense. On le caresse au bon moment, on le fâche au bon moment. Il est bien dans sa tête après. Et adulte, il le garde et après, ça fait des bons chevaux. Je vais marquer celle qu'on a faite parce qu'après... La stabulation, c'est son royaume à Mylène. Elle aime cet endroit et elle s'y sent comme chez elle. Et surtout, elle apprécie la confiance de son patron. Plus le temps passe et plus il nous laisse de responsabilités, de choses à gérer. On le voit moins qu'avant dans les écuries. Il nous laisse un peu, il se repose un peu sur nous, je pense. Sans eux, je ne serais pas où j'en suis. Si on est mal entouré, moi j'ai copié sur les grands, toutes les grandes maisons, elles sont bien entourées. Quand on a du bon... Je pense qu'il ne peut pas y avoir de bon personnel sur un bon patron et vice-versa. Toutes celles qu'il y a là... À ce jour, hein. Oui, oui. Parce que les entrées-sorties du jour, je ne peux pas... Après, de toute façon, ça, je verrai avec les filles. Normalement... Christine Hélinger est la secrétaire du Haras des Faunes. Cette éleveuse de chevaux a rencontré Alain à ses tout débuts. Depuis, ils sont devenus amis. Christine, c'est la confidente. Un rouage vraiment essentiel pour Alain Chopard. Sinon, tu me prends la liste et puis tu coches. Ouais. Tu mets un P par âge. Ou... Je dirais que l'esprit du haras est vraiment un esprit d'équipe, presque un esprit de famille. Ils disent rarement « je suis salarié au haras », par exemple. Ils disent « je suis au haras des faunes ». Il y a vraiment presque un esprit d'appartenance. Et d'ailleurs, tout le monde s'entend super bien. Donc, c'est une équipe qui est hyper soudée. Il n'y a pas beaucoup de turnover, même si au départ, le travail n'était pas organisé de la même manière. Ben, les gens ont tenu et ils sont restés. Et voilà, ça continue. Et c'est quand même... Ce sont des belles histoires, quoi. Sarah travaille depuis 5 ans chez Alain. Son compagnon, Simon, l'a rejointe il y a 3 ans. Alain a mis à disposition du couple une petite maison de 150 mètres carrés,
juste derrière le haras. Comme le disait Christine, la secrétaire, Sarah et Simon ont un fort sentiment d'appartenance au haras des faunes. Et lorsqu'un poulain qu'ils ont élevé est engagé dans une course, ils n'en ratent pas une miette. Entre midi et deux, s'il y en a un qui court, on regarde à tous les coups. Ou même quand il y a une grosse course en journée, les premiers deux ans, Gallo Shop, Zurich Shop, tout ça, on va voir chez lui, avec lui, la course. C'est important, ça. Il appelle tout le monde et tout le monde vient et on regarde. Qu'est-ce qu'on mange avec la viande? Je pense qu'on y a du riz hier, je peux le faire réchauffer, je pense. D'accord. Vivre à côté de mon travail, c'est un avantage. Tiens. Quand on a un week-end de repos, et si on va dans le jardin, on regarde toujours pour voir ce qui se passe. Là, ça y est, qui va être ça y est. On suit un petit peu. Alain nous appelle quand il a besoin. On est là, c'est avec plaisir. De toute façon, on est là. On est en location à côté, exprès. C'est ça. Les urgences, le plus souvent, c'est en saison, c'est les poulinages. Quand Alain est tout seul, avec sa femme, dans ce cas-là, il nous appelle. Et nous, on est disponible dans la minute qui suit, on descend en courant et on va l'aider, quoi. On le respecte énormément, mais il y a un peu plus, je veux dire, un petit lien d'amitié. À force de travailler avec lui et d'être souvent avec lui, il nous appelle pour les courses. Et on est souvent chez lui, il nous invite chez lui à manger, donc pour... Il y a un petit peu plus que ça. Alain Chopard ne cesse d'attribuer sa réussite à son entourage, ses employés, on l'a vu, mais aussi sa toute récente épouse, Amina. C'est un petit peu, voilà, c'est moitié marocain, moitié français, un peu relevé. Parce que, apparemment, tout le monde aime ça, alors j'espère que ça va plaire. Cet après-midi, elle se fait plaisir derrière les fourneaux. Car ce soir, Alain a convié à leur table l'ensemble des salariés et leurs conjoints. Une façon pour lui de les remercier de ne pas ménager leurs efforts en pleine période de poulinage. Vous avez tous compris qu'Alain Chopard n'est pas homme à traîner en route. Figurez-vous qu'en amour, c'est pareil. Il rencontre Amina en 2012, lui fait un enfant en 2014 et l'épouse dans la foulée. Cette jeune femme marocaine qui travaillait comme pompier sur l'aéroport de Casablanca lui a apporté une stabilité qui n'est pas étrangère à sa réussite professionnelle. Il n'arrête pas de me dire « tu m'apportes ce que j'ai jamais eu, la tranquillité, tu me calmes ». Voilà, la sérénité, c'est ce qu'il cherche, Alain. Comme je dis, quand on est bien entouré déjà dans son couple, moi, quand je passe le portail du bas, j'arrive le soir, je suis détendu, quoi. Je suis pas énervé parce que chez Camina, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais un accroc. Je peux arriver en retard, je peux arriver en avant, je peux arriver avec des clients, je peux arriver... C'est toujours le sourire et voilà, c'est un couple, quoi. Hein, voilà. Et en plus, la petite est arrivée. C'est tout un ensemble qu'on est vraiment bien, quoi. Je veux dire, voilà. Salut! Ça va-t-il? Alors, ça pousse? Ah oui. Tiens, c'est pour toi. Ah, c'est lourd. Oh. C'est de la soupe d'orange. Ah oui, elle me l'a promis et tout. Elle est même... On l'a pas renversé, mais ça a été un miracle. Frédéric Hellinger a beau être le conjoint de Christine, la secrétaire, il n'en est pas moins un proche de la famille, lui aussi. Putain, ça sent bon, ton machin. Hein. Eh ben, tu vas l'écouter, tu vas me dire. Allez, à Chopard. Vous comprendrez plus tard à quel point il est vital pour Alain Chopard de savoir s'entourer. Surtout que de nouvelles échéances professionnelles risquent de bouleverser son quotidien. En attendant, demain, le travail commence de bonne heure. En ce début de printemps, l'activité au haras bat son plein. Le planning des poulinages et des saillies est chargé. La veille vétérinaire ne se relâche pas. On fait une moyenne de 120 juments la semaine qu'on passe à la barre, quoi. Ouais. Voilà, c'est prenant parce qu'entre les poulinages, les saillies, les transports, voilà, c'est la saison vraiment qui est bien chargée, quoi. Ouais. C'est une passion. Tout le monde est comme ça. Pardon. Merci. Donc voilà. C'est une passion. Et
Moi, je me lève avec le sourire pour travailler. Et je me couche avec le sourire aussi parce que demain, je vais retravailler ici. Pendant cette période, Laurent, le vétérinaire, est quasi à demeure chez Alain. Il a au bout des doigts le succès des saillies et des poulinages. Sympa, celle-là. Oui, gentil ouais. Comme tout. Oui. Il est arrivé vendredi, celle-là, de Paris, de chez Cédric Boutin. Allez. Allez. Donc là, on a un embryon de 28 jours. C'est cette structure-là au centre. Et on voit un petit battement au milieu, donc c'est les boches cardiaques. Bah, dès qu'on les voit, déjà, on voit que les juments sont en super état. En tout cas, déjà, cette partie-là, les juments sont belles, sont rondes. Il y en a beaucoup qui sont pommelées, donc on voit déjà que les juments sont bien suivis, bien nourris. Oui, ça, c'est certain. Les Vidjak. Et là. Vous la mettez à qui, celle-là, cette année ? Celle-là, elle est à... Panis. Non, non, Moon, elle est à... Ah oui, Panis. Non, non. Si, elle est à Panis. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. En plus, c'est une jument qui fait des gagnants, alors on les aime toujours plus. Celle-ci ? Oui, elle fait pas mal de... Elle a fait de... surtout un très bon cheval, déjà, et bon, l'autre a gagné, l'autre court aujourd'hui. Et les grandes victoires de cette jument, c'est quoi ? Enfin, des produits de la jument ? Le poulain, il a 300 000 euros de gains. Chop Suave, c'est un cheval de quinté. Elle est pleine aussi. Elle est pleine, oui. Donc, je regarde bien parce qu'il y avait deux ovulations, donc on a un risque d'avoir une gestation géménaire. Donc ce qu'il faut absolument éviter. Calme-toi, calme-toi, on gratte. Ok. Allez, on fait ces prélèvements. Ça bourgeonne. Bon, une semaine. Ouais. Ouais. Laurent, oui. Est-ce qu'il vous arrive de suivre les parcours des produits d'Alain en course ? Oui. Vraiment ? Oui, je regarde. J'essaie de regarder. J'essaie de regarder les grandes courses quand Gaillot a été courir aux États-Unis. J'ai passé une heure sur Internet pour essayer de trouver un streaming pour suivre le cheval. C'était pas facile, mais bon, pour des grandes courses comme ça, j'essaie de regarder. Et il y en a tellement qui courent que c'est difficile de tout regarder. Il faut qu'on travaille aussi quand même. Hein. Et dans ce cas-là, quand il y a un cheval victorieux, vous ressentez quoi ? Ah ben on est content. Ouais. Ben oui. Vous dites que vous avez participé vous aussi ? Oui, absolument. Oui, puis on est super content pour Alain, ça c'est certain. Pendant plusieurs mois, les journées dans un haras sont longues. En période de poulinage, il faut être prêt à interrompre un repas pour intervenir. Ce soir, une jument devrait pouliner. Alain et Amina ont installé dans leur salon un système de télésurveillance composé d'une quinzaine de caméras. Ma chérie, est-ce qu'elle va pouliner ? Ah. Oui. 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 On ne peut pas deviner quand elle va pouliner. Ça elle est assez proche, hein, vous pensez ? Peut-être pas, je ne sais pas. C'est difficile. Parfois elle tourne, parfois elle se calme. Donc, on ne sait pas trop. D'un seul coup, elle peut se coucher et pousser sans avoir de signe. Sinon, elle peut tourner, transpirer, gratter. Et là, on sait que c'est très très proche. Mais pour l'instant, là, elle s'est calmée. Et elle mange son foin et on ne voit plus de signes. Donc pour l'instant, on attend. Quand on attend un poulinage, on est un petit peu, voilà, surtout quand voilà, on est à table, ça dérange un peu, mais dès qu'on est dedans, ça y est, c'est beau. Et on adore ça, c'est magnifique, quoi, c'est la vie. C'est un petit poulain qui va arriver, qu'on va suivre encore pendant quelques années et tout, c'est, voilà, c'est le début de la vie. Soudain, à 23h30. On appelle, hop. Allez, hop là.
Voilà. Pas mal. Comme vous avez vu, c'est impressionnant, mais c'est beau, quoi. C'est magnifique. Vous venez quasi systématiquement ? Ah oui, oui. Dès que j'ai l'occasion, je viens. C'est pas toujours facile comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment un poulinage facile. Voilà. Si avec des comme ça, ce serait un beau métier. C'est pas toujours le cas. C'est-à-dire ? Ben, y a, des fois, il y a des poulains mal placés ou des poulains qu'il faut tirer beaucoup plus. Bon, on peut dire que 8 fois sur 10, c'est poulinage dans ce style-là. Mais 2 fois sur 10, c'est soit on tire très fort, soit voilà, soit c'est mal placé, soit la jument n'a pas de lait, soit il y a toujours des accidents. Quoi. Ça fait partie de la nature. Ouais. Mais bon, ça, c'est ce que j'aime. Ouais. Le poulinage, c'est vraiment mon truc. J'ai du mal de laisser ma place. Il ne faut pas oublier qu'Alain Chopard, classé 6e éleveur propriétaire de chevaux de plat en France en 2014, ne connaissait strictement rien aux chevaux de course il y a tout juste 20 ans. Tout commence en 1997. À cette époque, il veut changer de vie. Marre de monter des silos agricoles, il veut travailler dans l'élevage équin. Un samedi matin, il lit une annonce dans le journal. Monsieur Adam de Rakine, éleveur propriétaire, une casaque bien connue, cherche un responsable d'élevage. J'appelle, je tombe sur Madame Adam, je crois que c'était, ou c'était Monsieur Adam, mais je crois que c'était Madame Adam, qui me dit, ben, venez vous présenter. Elle me dit, vous pouvez venir quand ? Ben, j'ai dit, ce soir. Et nous avons vu arriver un garçon plein d'énergie. Et il me dit, bon, qu'est-ce que vous savez faire ? Ben, j'ai dit, je suis fils d'agriculteur, je bricole un peu dans tout. Il me dit, est-ce que vous avez fait des poulinages ? J'ai dit, bien sûr, alors j'en ai jamais fait. Mais oui, oui, il a fait quelques petits mensonges, mais que voulez-vous, bon... Et il me dit, le salaire. Le salaire, sera, vous gagnez combien pour l'instant ? J'ai dit 12 000 francs à cette époque-là. Mais il me dit, là, vous allez commencer à 4 000. Ben, j'ai dit, on en reparlera dans 6 mois. Et au bout d'un certain moment d'entretien, nous lui avons dit que nous allions réfléchir. Il m'a dit, moi, c'est tout réfléchi. Si vous me voulez, je viens tout de suite. Impressionné par l'homme, le couple Adam de Rakine embauche Alain. Le temps d'une démission express de son ancien emploi à 12 000 francs par mois, et le Vosgien s'installe au château. Et peu importe s'il gagne 3 fois moins, il va enfin réaliser son rêve d'enfant. J'ai appris vraiment sur le tas, parce que moi, je ne connaissais rien au départ. Je me suis fait la main, quand je suis arrivé chez Adam, je me rappellerai toujours le premier matin. J'ai sorti 2 chevaux qui arrivaient de chez Philippe Boisgontier, l'entraîneur de Pau. Et ça faisait peut-être 2 jours qu'ils n'étaient pas sortis. Bon, j'ai dit, mais je les voyais hyper tendus, quoi, les chevaux. J'ai pas l'habitude. Alors bon, je me suis fait un peu peur le premier jour. Et puis après, c'est vite à aller dans le bon sens. Après, chez M. Adam, je faisais des bourrages tout seul. Il a tout fait ici. Tout. Les foins, voilà, l'ancien grenier à foin. Je pense qu'Alain a appris à aimer ce métier. Et chaque étape, chaque année, il a appris, découvert quelque chose de supplémentaire qui fait qu'il a pu évoluer favorablement et les résultats sont là, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et maintenant, il veut être entraîneur en plus. Comment va-t-il faire tout à la fois ? Élever de cette façon et en plus entraîner. Il veut aller du sperme au poteau. Bon, ben, il y est maintenant. Pour l'entraînement, moi je suis à 100% d'accord avec Alain. D'ailleurs, il m'en a parlé et tout. J'y suis un petit peu pour quelque chose parce que je l'ai encouragé. Pourquoi Alain n'apprendrait-il pas ce métier ? L'idée, c'est d'arriver à maîtriser toute la filière, c'est-à-dire la génétique, la naissance, l'élevage, le pré-entraînement et l'entraînement de ses chevaux. Vous l'avez compris, l'autodidacte Alain Chopard, qui a tout appris de l'élevage chez les Adam de Rakine, veut devenir entraîneur. Éleveur, entraîneur, ça c'est un cas quasiment unique en France. On va où là ? On va à la future piste qu'on a commencé à décaisser, qu'on a tracé la moitié, on reste la moitié à tracer. On va finir la ligne droite et le dernier tournant.
Putain, on est à 6 mètres. Ah, mais le virage, on l'a fait plus large. Faut mettre ça à 1m50, hein. Ouais. Cette histoire de piste n'a rien d'une lubie. En pleine saison de poulinage et de monte, il trouve tout de même le temps de construire en face de chez lui cet anneau de 1400 mètres. Il sera prêt dans 5 mois. L'investissement global de son projet entraînement s'élève à 450 000 euros. Alain, qu'est-ce qui vous a appris les dimensions de la piste, enfin pour la tracer, comment vous êtes renseigné? Non, c'est nous, quoi, c'est nous. Ouais. Ben, comme le bâtiment, tout ce que, les plans, c'est moi qui ai, les dimensions, c'est tout moi qui fais dans ma tête. J'ai fait des plans sur un bout de papier et on fait tout nous-mêmes, quoi. Là, vous êtes sûr que 5,50 m de piste, ça vous suffit? Ça fait 5,50 m, il y aura 50 en moins, il y aura 5 mètres de large. Bon, j'ai vu sur les pistes d'entraînement qu'ils ont à Mont-de-Marsan ou à La Teste ou à Pau, c'est les dimensions, quoi. Je crois qu'il avait pensé depuis longtemps et que ça lui trottait dans la tête depuis un moment. Après, ça vous fait peur ou quoi? Non, non, non. Vraiment? Non, parce que des fois, on a peur de, quand il nous dit de faire des choses ou quoi. On est un peu réticent. Et en fait, on s'aperçoit qu'après, souvent, les trois quarts du temps, il a raison. Dans ma tête, j'ai toujours des projets. Si j'ai plus de projets, je m'emmerde. C'est clair, ça c'est... je tourne en rond, je suis mou, ça va pas. Alain Chopard dispose de tous les engins de terrassement nécessaires à la fabrication de sa piste. Et idem pour la main-d'œuvre. Simon et Benjamin s'y attellent visiblement avec plaisir. Devenir entraîneur, c'est un rêve de gosse, ça c'est certain. Mais il y a aussi des raisons économiques derrière le projet. Tout coûte. Dans tous les métiers, les intermédiaires coûtent. Faut que tout le monde gagne sa vie et comme je dis, il y a de la place pour tout le monde. Mais j'ai toujours dit, ça fait quelques temps, je dis, je vais faire du super moto. Il n'y aura plus de le jockey à payer parce que bon, je ne peux pas être jockey. Les chevaux, on va les mettre à l'entraînement, on va les travailler, ça ne va pas, repos. Il y a juste 50 mètres à faire, on change de bâtiment, c'est repos. On en remet un autre à la place. Comme il y aura toujours 30 chevaux à la porte qui attendront pour aller à l'entraînement, c'est complètement différent, ça fait moins de frais, pas de transport, pas de perte de temps. Il y a 50 mètres à faire, on inverse les chevaux, on en reprend un et voilà. C'est pour ça que je me lance un peu d'entraînement, pour économiser aussi. Jean-Max Jarlan, l'ami d'Alain et l'associé des débuts, s'enquiert régulièrement de l'avancée des travaux. Aujourd'hui, il vient visiter le hangar de 3200 m² qui va abriter dans 5 mois les chevaux d'entraînement. Jean-Max, c'est vraiment un inconditionnel d'Alain. C'est arrivé. C'est arrivé. Il est jeune, il pourrait être mon fils. Il est jeune, voilà, mais bravo. Bravo, c'est fabuleux de faire un truc comme ça, vous vous rendez compte? Il va produire et il va les entraîner, les faire courir. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Directement du producteur au consommateur. Non, je regrette d'être si vieux, si âgé. Parce qu'un challenge comme ça, c'est grand. C'est grand. Tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Donc il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas ça. Oui, mais on peut se tromper, tellement, hein? Mais là, bon, on dit, on réfléchit bien un moment que c'est pas. Non, quand tu prends des bonnes décisions, ouais. Et ça, c'en est une. Je crois que, vu tout ce qu'il a vu partout, et toutes les conclusions qu'il en tire à tous les coups, il peut être un bon entraîneur. Les amis d'Alain Chopard croient en son étoile d'entraîneur. Mais qu'en est-il de la vie des professionnels? Nous emboîtons le pas d'Alain un jour de course sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat pour recueillir l'opinion de ses pairs. Quel est le programme pour vous aujourd'hui là? Eh ben, deux partants, dont une 2 ans, ça, je crois que ça fait 3 ans de suite qu'on gagne cette course-là. Mais je pense pas qu'on gagne aujourd'hui, on verra. Et après, dans les Anglos, dans la 3e, donc une bonne chance. Une bonne chance? La journée ne va pas être trop mauvaise. Oh pardon, excusez-moi. Sauf que la facture après, c'est pas mauvais. À cause de... Même sur un hippodrome, Alain ne tient pas en place. Il serre des mains, il discute, c'est un homme connu. Mais ses interlocuteurs voient encore en lui l'éleveur propriétaire. Ici, un propriétaire l'entreprend sur Deportivo, l'un de ses étalons. Je viendrai le voir, hein, vous me le mettez un peu hein, à l'ombre. Okay. Oui. Hein, je vous l'avais dit depuis un an. Vous passez quand vous voulez. Hein, mais bon, pour l'instant, vous voyez. Hein, à bientôt, monsieur Chopard. Vous adresserez à lui comme entraîneur ou comme éleveur? Ah, comme éleveur, mais pas comme entraîneur. Comme éleveur, oui, mais pas comme entraîneur. J'ai le mien depuis des années.
J'en suis content. Par conséquent, je ne change pas. Merci. Alain Chopard, entraîneur, c'est pas encore entré dans les mœurs. Ça va ? Vous êtes le local de l'étape. Oui. Il faut juste ne pas bouger dessus. Voilà, voilà. Pour ça, je vais aller voir, je l'ai sorti. Nous accompagnons Alain au rond de présentation. Dans quelques mois, c'est lui qui donnera les ordres à son jockey. Vous êtes encore le propriétaire, vous êtes en retrait, là. Voilà, je suis en retrait, oui. Je commande pas. Didier Guimain, ça fait combien de temps ? Bientôt 10 ans, les premiers. Ouais, ouais, ouais. 10 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Et ça s'est toujours bien passé, alors voilà. Ouais. Et je regarde, j'écoute. Didier, qu'en pensez-vous, vous, du défi d'Alain de devenir entraîneur ? Eh bien, oui, il a pas tort. Il faut essayer, hein, vous savez, dans les chevaux. Je pense qu'Alain, il est très de l'avant. Moi, je sais que souvent, il donne des bons conseils pour il n'hésite pas à aller courir à Paris. Souvent, il a un bon raisonnement. Les méthodes, je ne les ai pas. Voilà. Mais je vais aller en stage à gauche, à droite, je vais aller chez M. Rouget. Mais ça, je vais vite apprendre. Ah oui, parce que quand je vois les chevaux aux courses, après, j'ai vite fait de voir bon ou pas bon. Hein. Le départ de la course est imminent. L'amour du sport fait partie du métier d'entraîneur. Aujourd'hui, il est deuxième, à côté de Balcon Diode. À l'extérieur, la casaque Chopard pour Edelweiss du Lac. Côté corps de galop Romane de Cajus. Le poteau des 400 derniers mètres. Babella de la garde le 4 et qui attaque. À quelques mètres du poteau, c'est le 4 Babella de la garde qui débute en plat victorieusement. Baltic de la 5e. Alain est déçu, il pensait faire mieux. Lors de la course suivante, c'est en compagnie de son entraîneur fétiche, Antoine de Vatrigan, qu'il va suivre la performance de son cheval. Allez encore ! Il est temps que le poteau arrive pour Naïkol, qui va néanmoins... Cette fois encore, déception, Lolly Shop finira troisième. Ce sera vraiment la belle impression, la troisième pour la favorite, Lolly Shop, le numéro 6. Apparemment, je pensais que c'était facile. Alain, entraîneur, ce ne sera pas sans incidence sur le futur d'Antoine. Les trois quarts des chevaux qu'il entraîne appartiennent à Alain. Ça va enlever quand même une manne de travail importante, ouais, ça c'est clair. Donc d'ici là, il va falloir trouver d'autres clients aussi et avoir... L'avantage qu'il y avait avec Alain, c'est que dès qu'il y avait un poulain qui était non disponible ou non de mauvaise qualité, on va dire, on le rentrait au haras et un autre cheval prenait la relève, donc ça c'est très important. Donc vous ne lui en voulez pas ? Non, parce que de toute façon, on va être habité à se côtoyer souvent, donc si je l'en veux, on n'est pas arrivé, hein. Ça va être un peu compliqué. Non, non, c'est pas catastrophique. Hein. Non. Ça, non, il a respiré dans son J'ai rampé à 100 mètres du poteau, et encore, je vous dis, je rampe, mais pas spécialement. Ouais. C'est aller dans son truc, ouais, elle a bien respiré et tout. Alain Chopard va devenir entraîneur. Vous en pensez quoi, vous ? Je ferai pas beaucoup de commentaires. Vous savez, c'est lui qui paye, donc c'est lui qui décide. Il fait exactement ce qu'il a envie. Je trouve pas que ce soit une mauvaise idée ni une bonne. C'est à lui de décider, et l'avenir nous dira si c'était bien. Ah oui ? Il a bien gagné ? Les professionnels du milieu ne sont pas prêts à signer un chèque en blanc au futur entraîneur Alain Chopard. Oui. Ce jour-là, à Bordeaux, un propriétaire semble pourtant confiant. Il a entrepris pas mal de choses en tant qu'éleveur, auxquelles ben, on voit les résultats aujourd'hui. Moi, je ne m'inquiète pas beaucoup pour lui dans son futur rôle d'entraîneur. Bien au contraire. Je pense qu'il a l'expérience des chevaux déjà, et il sait ce que c'est qu'un cheval de course, donc... Maintenant, il va mettre en application. Il verra peut-être aussi les difficultés qu'ont les entraîneurs. Hein. Quand ils disent que ce n'est pas toujours facile, les entraîneurs, ben, il sera confronté maintenant, en plus des problèmes d'éleveur, et ben, celui d'entraîneur aussi. Ouais. Et pour mieux comprendre ce qui attend Alain, le futur entraîneur, nous sommes allés rendre visite à l'un de ses amis, installé à Royan, François Nicole, entraîneur d'obstacles réputé. L'écurie de François Nicole est nichée dans la forêt de la Palmyre. Une centaine de sauteurs sont à l'entraînement ici, dont quelques-uns appartiennent justement à Alain. François a accepté d'évoquer pour nous les contraintes du métier. Poulie Grandchelon, fingertips, la pouliche, là. Machine et la pouliche B, là. Ok, vous faites un tour à droite. Gardez-moi le tapis. Hein.
faut bien connaître ces pistes. C'est, la, c'est aussi une des bases, quoi. Savoir si c'est une piste qui est rapide, qui est profonde, qui est pénible, qui est, sur lesquelles, quand vous faites 2000 mètres, c'est un travail très dur, ou si quand vous faites 1500, c'est. Vous voyez, voilà. Puis après, il faut adapter ça à certains chevaux, quoi. Ça va être le travail d'Alain. Voilà. Alain à l'œil. On peut faire tellement d'erreurs et on en fait tous les jours. Et ben, un jour, j'ai ressablé ma piste, j'ai remis beaucoup de sable pour être tranquille. Et tous mes chevaux travaillaient bien d'ailleurs, et ils allaient aux courses dimanche et on ne gagnait pas une course. Et je me souviens d'avoir vu un jour François Plouganou, puis je lui dis, je viens de ressabler la piste et tout. Oh, il me dit, cherche pas. Il me dit, tant que ta piste ne va pas être stabilisée, tu ne comprendras rien. C'est ce qui s'est passé. Il a fallu attendre qu'il se mette à pleuvoir beaucoup, parce que pour tasser une piste, en fait, compte, il n'y a que ça, il n'y a que la flotte qui tombe du ciel, qui dame, qui dame, qui dame, qui dame. Pendant cette période-là, vous ne savez pas si vous travaillez trop, si vous ne travaillez pas assez, et là, vous êtes paumé complet. Alain Chopard va donc devoir dompter sa future piste. Mais ce n'est pas tout. Il lui faudra également apprendre à gérer le personnel. Nathalie de Souterre. On me demande si un entraîneur doit faire preuve de psychologie avec ses jockeys. Oula. Ah, tiens, t'as la réponse. Oula. Non, il en fait pas trop parce qu'il répond pas au téléphone quand il est pas content. Pour les jockeys, c'est vu, mais quid des cavaliers d'entraînement qu'Alain sera amené à diriger sur sa piste au quotidien. Faites gaffe, là, allez pas traîner dans le matos, là, parce qu'il y en a un qui va marcher dedans, je vous connais, hein. C'est pas simple, quoi. C'est pas des gens posés. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des gamins, quoi. Ils ont 20 ans, 21 ans. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils sont partis chez le voisin parce que l'herbe est plus verte et puis il y a des jolies fleurs. Et c'est comme ça. Nous, il faut qu'on s'adapte. Donc, il va falloir qu'ils s'adaptent lui aussi. Hein. Ouais. Bah, écoute, le cheval est somptueux, il est magnifique. Je veux simplement savoir s'il a beaucoup de boulot. Alain Chopard ne devra pas se tromper au moment d'embaucher son futur personnel, et notamment son premier garçon d'écurie, qui aura un rôle déterminant. Comme ici, Michel Houdouin, l'assistant de François. Il doit être prêt à suppléer son patron. On mettra sacré toi en deux. Très important d'avoir confiance à ses employés, déjà les cadres. Si par, mettons, 4-5 jours, bon, on s'appelle au téléphone, on dit un peu les grandes lignes, et puis après j'avise sur les grandes lignes qu'il m'a données. Il faut absolument quelqu'un pour vous aider, quoi, parce que c'est une grosse tâche quand même, entre les engagements, le travail, le suivi des chevaux. À deux, on voit plus de choses que tout seul. Donc après, on fait un débriefing ensemble, on parle des chevaux, et ça nous permet d'avoir les idées qu'on a, et puis après on applique ce qu'on a vu, quoi. Ah non, mais il prend ça n'importe quand, hein. Ouais. Comme ça vient. Hein. Il se pose même pas la question. Hein. Non. Ça vient au pied, ça part grand. Hein. En fait, compte, on s'est un peu planté, parce que je pense que c'est pas un cheval de lourd, c'est un cheval de bon terrain. Ouais. Il a une action, mais attends, en deux foulées, il était comme ça avec... Ce ouais. Déjà, ça va moins vite. Il est moins dans le rouge. Ouais, il est moins dans le rouge. Voilà, je pense que il aura pas... Je pense qu'il n'a pas besoin de conseils. Il va gérer son truc. Il s'est entouré d'une très bonne équipe, d'après ce qu'on m'a dit. Et je pense que les gens qui sont autour de lui vont lui donner, lui, des conseils. Alain apprendra et il réussira. Voilà. Et pour moi, ce n'est pas une question à poser. Puis c'est un homme très passionné, très curieux. Et je pense qu'Alain ne se posera jamais. Comme je disais, il ne va pas dire « c'est bon, on a l'entraînement maintenant, on est tranquille ». Il va toujours trouver quelque chose. Il se murmure qu'Alain Chopard serait également tenté par le trot. Voyez-vous ça? Il est temps de tourner la page de la belle histoire d'Alain Chopard. L'histoire de cet autodidacte devenu un des plus grands éleveurs de plats en France. Et qui, insatiable, s'est lancé un nouveau défi. Par exemple, conditions de qualification. Mais pour devenir entraîneur, il lui faut passer son permis d'entraîner. Petit cours d'hypologie. Oui, voilà. Et la jambe, on dit la jambe au départ, l'antérieur, jambe, genou, canon, pâturon, pied. Voilà. Après, vous appelez les noms par cœur. Oui, ça, il faut. Et toutes les dernières mises à jour
qui sont paris. Par contre, là, il va falloir qu'on repotasse là-dessus, oui, parce qu'il y a eu des précisions apportées en décembre ou en janvier sur le port des œillères, etc. Oui. Les dernières. Donc ça, il faut qu'on rebosse là-dessus. Oui, mais ça, on doit le déclarer quand on déclare partant. Petit conseil à nos amis turfistes. Dans quelques mois, surveillez bien les performances des protégés d'Alain. Vous savez, les fameux chopes. Comme Chopard.